l'étau se resserre. Demain soir, ils ne seront plus que 4. Le Nigeria a déjà composté son ticket pour les demi-finales. Maintenant, place à la RDC et à la Guinée qui vont tenter de limiter. Tous les observateurs que nous sommes ont pensé voir effectivement le Maroc, le Sénégal. Bon bref, on va pas refaire la liste des équipes qui sont sorties. Bah, il fallait compter avec la Guinée. Attention. Sur cette première action emmenée par la Guinée. L'arrêt. Quel arrêt. Et je. Et alors on réclame une main. Ah, et la Guinée qui démarre pied au plancher. Et on voit Naby Keïta hein, qui vient s'entretenir avec Moustapha Gorbal. Cette action qui s'est développée côté droit. Ouais, c'est Guy Lavogui qui vient. Ouais, alors attention, hein, parce que. Ouais, le ballon il est touché de la main par Chancel Mbemba après. Mais quel arrêt après derrière de Mpassi. Allez, une nouvelle touche cette fois-ci, elle est jouée longue dans la surface de réparation. Attention, ils se sont regardés, il attendait la sortie d'Ibrahim Koné, Mouktar Diakabi. Oh là là, ça fait deux grosses alertes de chaque côté. Oui, oui, mais il a raison, Ibrahim Koné. Il a raison. Il doit la prendre. Non, mais Diakité. Il a raison. Diakité doit la prendre et doit la dégager. Si il n'a, le gardien n'a pas dit laisse ou j'ai, bref, tout ordre de lui laisser le ballon. Regardez, déjà Diakabi demande à ce que son gardien y sorte. Non, non, c'est pas un gardien de sortie. Oui, oui, là, quand il y a le feu comme ça. Dégage-la, dégage-la. On entend dégage-la. Ah, et Wissa, ouais, exactement. Sa reprise. Qui a failli profiter. Allez, c'est bon, ouais, c'est vrai. Allez, c'est bon. Mbemba. Ouais, c'est appuyé, mais il va arriver. Attends, j'ai des Moukaloulou. Le centre. Oh, il est bon ce centre. Il est passé, Moutou Sami. Ah, qui s'était appliqué. Hein. Ah, il avait bien ouvert le pied. Il s'était effectivement appliqué pour reprendre ce ballon à hauteur du point de pénalty. Ouais. On va voir le ballon. On pense qu'il est un petit peu trop long pour Gédéon Kaloulou. Il n'en est rien. Cette frappe, plat du pied pourtant. Hein. Il s'assure bien à remettre le ballon de là où il vient. Aïe. Aïe, il y avait le départ là pourtant. Ibrahim Diakité. Il n'a pas osé le servir. Morgan Guilavogui, lui, l'a fait. Le centre premier poteau. Et Mohamed Bayo qui s'écroule, pénalty. Ah, il a hésité un petit peu, Moustapha Gorbal. Et finalement, il a tendu la main vers le point de pénalty. À la suite de cet accrochage là sur Mohamed Bayo. Alors il va falloir évidemment revoir tout cela au ralenti. Ça va être bien sûr checké. On revoit en tout cas ce bon travail là en triangle sur le côté droit. C'est Chancel Mbemba qui va. Ah, non, oui, oui, il y a faute. Il y a faute. Et oui, il y a faute. Il y a faute. Et oui, parce qu'il est battu là-dessus, Chancel Mbemba, il est derrière. Mohamed Bayo face à Lionel Mpassi. Et le compteur personnel de Mohamed Bayo continue de tourner. Troisième but pour l'attaquant de la Guinée dans ce tournoi, dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Vous allez voir là, tranquille, en plein milieu. Et vous avez vu, même en mettant de la hauteur au ballon, si jamais le Mpassi était parti du bon côté, il faut reconnaître qu'il est difficile pour les gardiens d'aller chercher le ballon un peu plus en hauteur quand on plonge effectivement plus latéralement. Allez, Arthur Matsuaku, c'est bien frappé. La frappe au deuxième poteau. Il a été trouvé la lucarne opposée. Il se rachète, Chancel Mbemba, fautif sur le pénalty accordé à Mohamed Bayo. C'est lui qui vient d'une frappe rageuse, tromper à Ibrahim Koné et remettre les deux équipes à égalité. Ça, c'est ce qu'on appelle un capitaine. Ah ouais, j'ai même envie de vous dire, où est passé le ballon? Par où il est passé le ballon pour finir dans le but? C'est bien frappé, c'est dévié et puis... Ouais, juste au-dessus d'Ibrahim Koné. Oh ouais, non, là,
c'est impossible pour Ibrahim Koné d'aller chercher. En plus, vu qu'il s'était mis quasiment, vous avez vu, avec les appuis très bas, et là il est quasiment impossible de venir chercher le ballon en hauteur. Ça vient toucher légèrement le poteau pour entrer. Quel coup de fusil, oui. Signé Chancel Mbemba. Allez, c'est lui qui va frapper ce coup de pied arrêté. Qui est bien frappé d'ailleurs, c'était coupé au premier poteau par Cédric Bakambu, mais ça ne trouve pas le cadre. Qu'est-ce qu'ils sont compliqués à défendre ces ballons quand ils sont bien frappés, vous voyez, entre le point de pénalty et les 5m50. Et du bout du pied, hein, Cédric Bakambu vient toucher ce ballon. Et ça aurait pu aussi être touché par Diakité. Oui, exactement. Ah, bien joué de la part de Sagasila. Très bonne défense, Naby Keïta, cette fois-ci il lui met dans la profondeur à Mohamed Bayo, il n'y a personne au centre. La frappe de Bayo, elle est détournée, la touche pour la Guinée. Dans ces duels, regardez, il a pris l'info et au dernier moment il se résout à frapper. Et Inonga est celui qui vient contrer ce ballon. Il a vomi, ce n'est pas passé, Samuel Moutoussami. Ah, ça c'est bien sorti ça, ouais. À part de... Et Wissa qui peut accélérer, ouais. Repiquer dans l'axe, dernier geste. Ouais. Ah, attention, il a pris un coup, me semble-t-il, Johan Wissa. Il y aura d'ailleurs un coup franc en faveur des Léopards. Ah, c'est bien amené la part de Johan Wissa qui vient. On a mis Diakabi, on a Mohamed Bayo et Naby Keïta pour finir. Et Johan Wissa, joueur de Brentford. Très ballon qui passe au pied du montant droit d'Ibrahim Koné. Ça a été détourné. Ouais. Un corner par Amadou Diawara. Il est bon hein, le pressing des joueurs de la RDC, ça s'est bien joué de la part de Massiakou. Johan Wissa, la frappe enveloppée de Wissa, c'est hors cadre. Il aurait pu la déclencher éventuellement, peut-être un tout petit peu plus tôt, mais la bonne défense de Mukhtar Diakabi l'empêche justement de pouvoir enchaîner la frappe comme il le souhaite. Et vous avez vu toutes les précautions qu'on prend Diakabi hein, en se mettant les mains dans le dos. Il était passé au travers là, Ibrahim Koné. Oui, ça c'est manqué complètement hors cadre. Ouais, compliqué à défendre, mais c'est bien renvoyé dans un premier temps par Julien Janvier qui met, c'est lui qui met sa tête. Hein. On a l'impression que Ibrahim Koné s'est raté dans sa sortie, mais c'est Julien Janvier qui est sur cette trajectoire qui la sort, qui boxe ce ballon. Agui Boukamara, la bonne prise de balle, en contrôle orienté, extérieur pied droit, bien joué. Mais il a vu l'appel, elle est belle dans la profondeur. Oh, il a voulu faire le grand pont où il a voulu transmettre à Mohamed Bayo, l'a fasciné Conte pour son tout premier ballon. Conte contré. Et attention, là c'est parti, côté droit. Et l'accélérateur est mis en marche là du côté de Silas. Penalty. Silas qui vient tout juste d'entrer en jeu. Ça s'appelle du coaching gagnant. Là, avec le genou, il vient toucher le talon de Silas. Ouais. Il y a contact, il y a pénalty, c'est très bien arbitré de la part de Mustapha Gorbal. Et Johan Wissa qui s'élance et il ne la laisse pas passer cette occasion. La Guinée avait ouvert le score sur pénalty en première période. La RDC passe devant également sur pénalty. Et deuxième but personnel pour Johan Wissa dans cette CAN. Oui. Ah, il est bien frappé, hein, Robert. Ah, c'est bien frappé. Bien frappé, chercher le petit filet même. Allez, coup franc excentré. Frappé au second poteau. La sortie un peu manquée là de Mpassi, mais sans conséquence.
quand il y a un joueur guinéen qui est au sol. Frappé. Ah ouais. Ah, on reste bouche bée hein, sur ce coup franc là. Parce que ça, c'est un gros coup sur la tête hein, des Guinéens là. Oui, vraiment. Vraiment un gros coup dur. Ibou Camara pour frapper. Ah, la tête qui passe à côté. Ça a été détourné et ce sera de nouveau un corner. Attention, tirage de maillot dans la surface. Merci. Les 5 minutes sont écoulées. Oh, la position de hors-jeu. Non, mais il était en position de hors-jeu. La dernière demi-finale